Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Assassin's Creed Origins. On va mettre le micro, voilà. Donc oui, Assassin's Creed Origins, on va essayer d'avancer notre histoire, toujours niveau 20 bien entendu, voilà. Alors, je pourrais booster, mais c'est pas l'envie qui m'intéresse, j'ai pas envie de jouer avec un jeu déjà boosté, parce que c'est pas amusant, puis j'en ai rien à faire. Donc, désolé pour la manette de contrôleur en haut qui ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi et ça commence à me courir sur le système, vous avez pas idée. Et pendant qu'on est en plein vol, on va faire une mission de niveau 17 parce que c'est le niveau où on va aller. On va aller goûter le goût de sa piqûre, c'est l'endroit où on va. Et pour y aller, il faut s'armer de patience parce qu'on va aller faire un déplacement rapide. Dans cette petite ville située à l'est d'Alexandrie. Donc petit résumé, on a déjà buté beaucoup de monde déjà, on a eu beaucoup de leaders qui essaient d'en vouloir à Cléopâtre. Voilà, on a littéralement Cléopâtre qui a des problèmes de santé et nous on est là pour foutre la merde dans l'Égypte littéralement. Alors que nous, il faut qu'on traverse toute la ville parce qu'il faut aller de l'autre côté. On va la tenter RP, hein, le chemin, voilà. Oh la pauvre. Il comprend pas. Hein. Alors ça, c'est vraiment le truc qui me chagrine vraiment dans le jeu, c'est ça. Hein. C'est, vous voyez, la route, mais vous voyez que le cheval, bah, il avance tout seul, mais pas assez vite en haut. Là, surtout que là, c'est un dromadaire, mais... Pareil, vous voyez qu'il avance pas des masses, on a pas l'impression qu'il avance, en fait. Il a du mal, il galère littéralement à faire ce qu'il doit faire. Donc c'est un peu dommage. Bon, Hein, je suis un peu feignant, mais faut pas déconner non plus. On va couper en traviole, nous. Hein. Voilà. Alors, ici, il faut faire gaffe. Voilà, il y a un petit crocodile sur le teco. Et j'ai buté un animal encore. Hein. Ah, je connais cet endroit. Ah, ouais, non, là, c'est pas possible. Il y a un cadeau? Ah mais je l'ai déjà ouvert. Je l'ai déjà ouvert. Par contre, il y a... Ouah, il y a du people là-bas. Ok. Donc là, attention, grosse enquête. Il simbolo è una dedicazione. Circuit. La dea della magia. Lo scorpione. Lo scorpione. J'adore come dit ça, le scorpione. Il simbolo è una dedica a Selkis, la dea della magia. Lo scorpione. Lo scorpione. E pas tortilla, j'adore come il parla. Vecchie macchie di sangue sul tavolo. Devono aver preparato qui il corpo, in modo grossolano. Un pessimo lavoro. Oh, on a pris un niveau. On a pris un niveau. Du coup, on va pouvoir acheter ça, du coup? Ou ça? Ah!
Je sais pas en vrai. En vrai, je m'en fiche d'acheter des cadeaux. Ah bah, de toute façon, j'ai pas le choix en fait. Il faut que j'achète ça pour avoir les 3 points de l'autre. Ok, bon bah écoute, hein, faire avec. Hein. Plus qu'à prier que le croco il va pas réapparaître devant mon nez parce que sinon on est mort en fait. Un poveretto mezzo mangiato dai coccodrilli, quando già era morto. Qualcuno lo ha preparato per il rito togliendogli alcuni organi vitali. O perlomeno lo stomaco. Un po'. Bon, par contre, il nous en reste encore un truc à voir quelque part, mais je vois pas où. Au-dessus, peut-être? Peut-être au-dessus, hein. Ah, que quitte à avoir des conneries, autant que ça soit au-dessus. Hein. Non. Je vois pas où aller. Ah, là. Che scritte strane e sinistre. Je parle pour la déesse et la déesse parle à travers moi. Elle est assise sur ma langue et mon aiguillon est son aiguillon. Elle a le visage du scorpion, du serpent et de l'araignée. Et je porte sa marque. Je prends son nom car le mien est éterne et poussiéreux. Je lui rends honneur dans l'espoir qu'elle me montre les mystères. Je parle pour la déesse et vous parlez pour moi. C'est glou quand même. Bon, par contre, j'ai pas plus d'informations. Ah, peut-être que c'est ça. Rapide. Dio inarrivabile e signore del sole. Qualcuno ti ha marchiato per qualche motivo. Il truc ou quoi là? Lo scorpione, il simbolo di Selkis. Che spettacolo tremendo. Qualcuno okay. L'ha ucciso, poi gli ha rimosso lo stomaco come segno di spregio per i veri riti. O forse è stata una pessima imitazione. D'accord. Donc on a 4 lieux comme ça à découvrir quoi, c'est chaud. En vrai. Je vais aller où après? Site cérémonie trouvé dans l'univers. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que je me tape tous les sanctuaires. Ça c'est le port de Marira, c'est pas ça? Ça c'est un voyage rapido, c'est pas bon. En fait du coup on a fini la mission en fait du coup. Mais là je vois. Ok. Ça m'aide pas du tout en fait, j'ai pas l'impression que sont indiqués. On va voir hein, mais je crois pas que c'est indiqué. Non, ça va pas être indiqué. Eh bien, on va continuer sur les goûts du mensonge, voilà. Alors qu'on part, on va partir très loin. Petit voyage rapide. On va changer de tenue parce qu'on va quand même approcher du désert. Et on va changer de monture aussi. Ah, encore que le dromadaire, non, le dromadaire il tient bien la route. Il tient bien la route, le dromadaire. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu garder la tenue de Bayek hein, en soi. On va prendre la tenue du Cobra pour aller avec. Et on va prendre. Je suis désolé, mais je vais rester sur le cheval. Hein. Voilà. Le cheval romain, ça sera très bien. Allez. Il est où? Sac et puce! Et direction 1,6 km plus au sud. C'est vrai qu'après je pourrais m'éclater détruire toutes les statues de Ptolémée qui existent sur ce jeu, mais. Au bout d'un moment, ça va savoir que j'ai envie de les buter quoi. Oh attends, je vais me faire les 4 coups. Bon bah j'ai buté un mec qui était pas prévu. Il est où?
Et désolé pour la faune sauvage, hein, c'était pas prévu, ne vous inquiétez pas, aucun animal vivant n'a été blessé pendant l'opération. Je le rappelle. Vraiment aucun. C'est-à-dire que techniquement, là, tout ce que je suis en train de buter, en fait, n'existe pas. Nous sommes dans un rêve, je rappelle. Hein. Nous revivons la Grèce, enfin l'Égypte antique même d'ailleurs. Alors qu'en fait, on est dans la tête de quelqu'un, dans les souvenirs de quelqu'un. Bon, ce qu'il a fait de son passé, bah en fait, cela ne nous regarde pas. Au suivant, il en reste encore deux. Oh, il était beau celui-là. Oh, il était magnifique. Le coup de lance comme ça là. Prendete posizione. Enfin, coup d'épée plutôt, coup de lance, sérieux. C'est fou la quantité de mecs qui traînent sur ces routes. Il vento alzerà le sabbie. Alors, il y a des. Il me disait bien qu'il y avait un truc qui allait me chagriner. Vous voyez, des fois il dit des phrases, mais il n'y a pas d'explication. C'est. Légèrement pénible. C'est quelque chose qui ne fonctionne que en que dans des langues comme ça. C'est-à-dire que en français, ça sera traduit en français, mais c'est pas écrit en sous-titré. Bon, ce qui fait que si t'es sourd, en fait, tu ne l'entendras jamais, tout simplement. C'est impossible à entendre. Et je sais pas pourquoi. Et l'autre là avec son plus beau, sérieusement, tu crois vraiment que tu vas retirer tout le sable du désert? Je vous jure, il y en a, ils ont vraiment de l'espoir. Hein. Ah oui, il y a un papy russe. Bon, c'est pas un papy, il est pas russe, hein, d'accord? C'est pas un papy russe. Aïe! Maestro Tarka. Tarka. Sono Bayek, vengo da Siwa. Il est beau Tarka. Io sono Tarka, grande architetto di Sais e amministratore di Letopoli. Conosco la tua famiglia. Mi manda tua moglie. Dice che forse conosci un certo scarabeo. Non è il caso di parlarne qui. Qualcuno ci potrebbe sentire. Seguimi e ti risponderò. Vai, Yek. Ah ouais, d'accord, mec, si t'as pas envie qu'on sache que t'es en train de dire des choses qu'il faut pas, te mets pas à courir. Tuo figlio è orgoglioso di te. Gli manchi. Mi raggiungerà presto. Spero che mio figlio e i miei nipoti seguiranno le mie orme. A dare forma al mondo sono i sognatori. E tu cosa sogni, Bayek? Ah, è come una corda a son arc. Io non mi concedo il lusso di sognare. Troverò lo scarabeo. Lo scarabeo approfitta dei deboli. Ma io non lo temo. Non hai paura dello scarabeo, Taharka? Dopo quello che ha fatto a tuo suocero? Ciò che è accaduto a Gupa mi fa male. Se è stata colpa del mio lavoro, se è a causa mia che è stato colpito, che gli dei mi perdonino. Maestro Taharka! Attaccano ancora le rovine. Oh, pitié! Bayek, vieni combattere con qua. Il vento. J'adore cette phrase. Viens combattre, t'inquiète. Plutôt, suis-moi, viens, dis-moi où on va. Questo lamento è la voce della tempesta. Elio, i cani del deserto lo usano come segnale per attaccare. Seguono la tempesta e la sfruttano per coprire le loro razzie. Stammi vicino. Je comprends mieux pourquoi le cheval a des œillères, hein, en vrai. Non vi lascio. Yalla! Sarà il mio lavoro. Perdi qua. Cacciamo via questi pezzi di merda. Ouais, attends, parce que là c'est la cata là, en fait j'arrive pas à me combattre là. Et deux deux. Quei bastardi seguono la tempesta. C'est tout? Ils sont où? Ah ouais, c'est bon, on les a blindés là, c'est bon là. On fait quoi maintenant? Ah, il en restait un. Posso colpire? Oh.
Baba yetu yetu yeri tu yetu yetu Maria Baba. Ah mais le mec il fait des sprints de malade en fait. Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Vous voyez tout là-bas? Deserto verrà il vostro sangue. Aia! Ecco lui la sabbia. Meglio prepararsi al meglio. Et après on va où? Tremate davanti alla mia forza. Vieni, Mejai, lotta con me. Vento, abbattimi. Alors on fait quoi maintenant? Ce qui est bien, c'est que tu vois, tous les mecs se protègent le visage et puis toi t'es là en mode pépouze, vas-y, roule ma poule quoi. Uomini di Letopoli, coraggio! Aia! Mejai, mostragli la forza della giustizia! Non, je mets. Non perderti nella tempesta! Pensavate di trovare delle pecore! Invece dovrete affrontare dei lupi! Au suivant! Et beau! Par contre, dommage, ils sont utilisés à la même prise de finition que les autres. Baba, il y en a combien des mecs à buter dans le jeu là? Bayek, ammazzali! Tieni duro, Bayek! Le topoli non si piegherà a voi! Oh la doublette! Magnifique! Par contre, c'est un pourri de mec, hein! Bayek li hai straziati come i denti di Sobek! Bayek, vieni con noi. Questi cani del deserto ci hanno oppresso abbastanza. Con il tuo aiuto metteremo fine alla loro minaccia. Comprendo la tua sete di vendetta, Tarka. Ma quei banditi non mi interessano. Parlami dello scarabeo, poi partirai. Scarabeo. Non indossi forse il simbolo dei Mejai? Quei bastardi sono una minaccia per la brava gente innocente di Letopoli. Avanti, Bayek! Dopo che avremo sepolto quei cani nella sabbia che tanto adorano, allora ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Messia, oggi mi unirò alla tua causa. C'est marrant, hein? Où est-ce qu'il court là, comme ça là? Arca! 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 Vieni, Bayek! Prendi le tue armi e andiamo! Coraggiosi cittadini di Letopoli! T'es mal l'équipe de bras cassés, quand même! T'as un vieux papy, un mec tout jeune qui se la pète et tout, il se la prend. Ouah, regarde, je suis trop fort, machin chouette! Allez, laisse tomber, je prends un cheval, moi! Levatevi di mezzo! Y'en a un qui veut finir à pied, c'est moi qui vous le dis, hein! Quest'opera che hai intrapreso? Sembra impossibile! Questo lo sanno solo gli dèi, Bayek. E se non tendo la mano verso le stelle, come farò a sapere se posso toccare? Letopoli era magnifica un tempo, prima che il deserto la inghiottisse. Voglio dimostrare al mondo, agli stessi dèi, che se gli uomini lo desiderano, possono fare qualunque cosa. Forse ti hanno mandato gli dèi per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Un braccio forte, un occhio acuto. Potremmo ridare a questa terra il suo splendore. Rendre sa gloire à la région. Carrément. Vedremo se riuscirò a convincerti. Oh, ils sont dans la grotte? Ah, bah vas-y, hein. Levatevi di mezzo. Ok. A tout à l'heure, hein.
On se retrouve tout à l'heure. Non devo farmi. Sai del sacerdote. J'ai pas le temps. Devi morire. Voilà. Et deux. Au suivant. On va passer par là, tiens. Perché sono chiusi là dentro? Allez, Zou. Oh putain. Quel bras cassé, je vous jure. Non, mi fai pas mal. Qua sopra ci sono banditi pronti a colpire. È nostro! Ma che fa? Je passe d'abord. Hein. Bon alors. Ils sont où les mecs là qu'on est censé buter là? Parce que moi je vais pas attendre 300 ans, j'ai pas que ça à faire moi. Oh là là. Ah, pourtant là, le machin me dit qu'il est en bas. Ah bah il est là. Oh la vache, il a pris un coup de latte. Violent quand même. Oh joli, joli, un joli coup là. Quand même. Du coup, attends. Bah, il y a des cadeaux. Ah bah, j'ai pillé le trésor déjà. Ah bien super. Bon bah on a déjà fini hein. Bah bah yetou yetou li yetou li yetou yetou balia bah bah yet. Ah mais c'est bon, y'a plus personne là, ils sont tous libérés là. Y'a juste autre con là qui traîne derrière. Ti ringrazio Bayek. Ormai temevo che mio sogno fosse destinato a svanire. Ma il tuo arrivo mi ha dato la forza di distruggere questi cani. Chi erano? Sanguinari seguaci di Sekhmet, signora della strage. Desiderano solo caos e distruzione. Hanno a che fare con lo scarabeo? No, si credono dei leoni, ma sono solo degli sciacalli. E ora sono diventati carogne anche loro. Riporto il sacerdote in città. Ci vediamo a casa mia. Mangiamo e ti racconto tutto quello che devi sapere. Bien sûr. Putain. Che Ptah benedica te il guardiano, maestro Tarka. Come sei finito qui? Qua? Sono stato rapito da quei pazzi sanguinari. Pensavo che la strada da Menfi alle Topoli fosse sicura. Salopard de prêtre. E farò in modo che lo rimanga. Hai detto che vieni da Menfi? A Menfi ci sono molti sacerdoti e io sono di troppo. Invece le Topoli è un terreno fertile, nato grazie ai tuoi sforzi. Com'è la situazione a Menfi? Ammetto che è caduta nell'oscurità. Il gran sacerdote ha fatto adirare gli dèi e ora dovrà vedere la città morire. I tuoi messaggeri a Menfi parlano del tuo grande sogno. Oh, sei più a Menfi, sa. Per servire gli dèi. Riposati ora. Dopodiché ti daremo una casa alle Topoli. T'as de la chance que je peux pas te envoyer moi-même. Au niveau de la doigt, je reviens pas. Tu reviens pas de me te faire arnaquer pour ça. Et... vous imaginez? Ah, je veux bien t'aider. Par contre, bah en fait, on va manger ensemble et puis je te raconterai tout là-bas. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est vrai quoi, j'ai que ça à faire, tiens. Question, je peux passer par là? Ah, j'ai encore perdu ma manette. Je suis obligé de prendre la route quand même. Pff. J'ai vraiment la flemme de pas de faire le tour quoi. Wow.
Oh, on peut rentrer par là, oui, voilà. Super, on peut rentrer dans la ville. Wow. Bayek, hai visto la tempesta? Eh oui, j'ai vu la tempête. J'ai vu, papa, il t'a raconté la tempête et que j'ai buté tout le monde. Sono felice che stiate bene, Maret. Oh sì, gli dei ci hanno benedetti. Ho visto avvoltoi e una iena e tanta sabbia. Tanta sabbia da riempire il mare. Ecco perché ci servono tante mani per la nostra impresa. E cosa hai promesso loro, Tarka? Un pezzo di terra e una casa tutta loro. Ma devono aiutarmi a liberarla dal deserto. Tutto qui? Scavare la tua casa? Non sarà affatto facile. Lavoriamo duramente, pregando gli dèi. La gente crede nel progetto di papà. La gente di papà. È giusto che onori tuo padre, Kawab. Kawab. Al salvatore di Letopoli. C'è. Notez che il gamin boit du pinard. Poi. Stai bene, Bayek? Le vin est empoisonné. Ti senti male? C'est lui. Saloperie. Connard. C'est lui le mec que je dois aller buter. Il a le logo du serpent. Putain, enfermé dans le désert. Avec juste la tête qui dépasse et les petits scorpions. Magnifique. Quelle triste fin. Que les dieux te maudissent. Ah ouais, putain, je suis vraiment en slip. Hein. Oh alors lui. Oh lui, je vais en faire mon festin. Sei, amore mio. Kemu. Ti sto deludendo. C'est con, il a réussi à mettre un bras. Techniquement, il a juste en mettre un deuxième et c'est bon. Allez. Presto camminerò nell'oscurità insieme all'occulto. Mi condurrà ai campi dei giunchi. Wouah! Une silhouette! Je veux bien, mais comment il va sortir du sable, lui? Je voudrais bien qu'on m'explique, hein. J'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il fout là, celui-là. Ehi, bello! Vieni qua! Oh! Il est sorti. Notez qu'on lui a laissé sa lame d'assassin, c'est beau. Alors que le petit scorpion mâche pépouze à côté, qu'il n'a pas eu l'idée de le buter. Oh, le deuxième scorpion. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a encore des erreurs quand même, hein. Mais... Oh, le mec, je vais l'arracher. Non plus armi, né armatura né denaro. Che cosa posso fare? Ora, presto, prima che il vento cancelli le tracce.
Certitude, hein. Le mec, il va. Le mec, je vais le buter aussi vite, hein. Poi, lo scarabeo. Je vais l'arracher. Il va rien comprendre. Il va absolument rien biter s'il va lui tomber sur la gueule. Alors, t'es où? Found. Meglio non attirare l'attenzione. Cosa? Ti ammazzo! Le ho messe in una cassa come tributo a Zeppelin. Manderemo a morte Nicolò a breve. Secondo me quanto ci mette a morire. Quello che abbiamo sepolto? Due giorni? Era troppo. Commetto 5 drachme che ne dura almeno 3. Accetto, aspetta. Chi va a controllare? Ok. Sarebbero dovuti rimanere nell'ombra. What? Mais finalement il avait. On lui avait retiré son bracelet, je croyais qu'il l'avait. J'ai loupé un string, moi, quoi. Ah bah alors là. Ah bah du coup j'ai pas lui aller, tant pis. Allez les filles, c'est votre jour de chance. Fate ammazzare. C'est pas votre jour. Mais vraiment pas. Ouais, c'est pas du tout votre jour. Vous m'avez pas mis de bonne humeur là. Je vais vous latter les fesses. Alors, littéralement, vous aurez regretté d'avoir été vivant. Hein. Et alors l'autre derrière va rien comprendre. Il va me voir débarquer, il va croire que Dieu est à sa porte. Oh. Oh. Ouais, allez, super. Et maintenant, direction. C'est ça, hein? Ouais, direction le palais du scarabée. Dire que j'ai aidé son homme et son beau papa à survivre, alors qu'en fait le méchant était sous mon nez. Bon, par contre, le mec doit s'attendre à ce que j'arrive maintenant, mais. Mon pauvre gamin, il va rien comprendre, hein? Mais papa, il est bien gentil avec toi. Ouais, bah jusqu'à temps qu'il comprenne qu'en fait c'est moi qui ai buté son fils. Enfin, du moins aidé à faire buter son fils. Enfin, je crois. De toute façon, il va pas. Il fera pas long feu. Hein. Non. Je vais faire un hôtel au culte de la barbarie, je vous ai voir. Attends, il y a un pipoulège là. Ouais, il est du. Salut les filles. Allez, on y va. Raduno le truppe! Ma... aiuto! Wow. Et 2-3. Allez, je te conseille de rentrer chez toi. Hein. Fais pas bon les dehors en ce moment. Hein. Wow. Pas du tout. Oh, je suis rentré dedans, mais alors comme une brute. Oui, il y a des gardes armés là. Et une cheville, une. Ti taglio la gola. Chiamo le truppe. Vieni qui che ti ammazzo. Devi morire. Je vous ai dit, hein.
Fallait pas me chercher. Quindi, è così che muore un sogno. Quoi? E vopolo. Avrei potuto costruire qualcosa di eterno. E Goop avrebbe cantato la storia della tua impresa. Mi pento di molte cose. Siamo tutti servi dei potenti. Siamo tutti dominati da forze superiori. Non abbiamo scampo. Siamo in tanti, nell'ordine degli antichi. Questa vittoria non ti darà pace. Non è la pace che cerco. Non è per me che faccio tutto questo. Tocco questo. Io verrò ricordato dall'ordine degli antichi come portatore d'acqua e fondatore di città. Serio? O arriverà il vento del deserto a soffiar via il sogno di Letopoli come sabbia. Il y a un petit côté Stranger Things un peu dans l'idée. Oui. Ti farò a pezzi come tu hai fatto con mio padre. Yeah, j'en étais sûr. Ti credevo nostro amico. Io ti odio. Occupati di lui. Cerca di farlo ragionare se puoi. Tu hai portato sangue e morte nella mia casa. Oh. Ehi, cieca. Ma è giunta l'ora di aprire gli occhi. Tuo marito era lo scarabeo, è opera sua. Tuo padre è stato torturato e mutilato da lui, così come tanti altri. No! Ora sta a te portare tuo figlio fuori dall'ombra, dal sangue e dall'oscuro lascito di suo padre. Mi dispiace, figliolo. Hey, c'est triste! En vrai, c'est triste. Mais la scarabée n'est plus. Buone notizie. Il DNA di Aya è stato sequenziato. Puoi sincronizzarti coi ricordi. Potete sincronizzare con le memorie di Layla. Sono piuttosto frammentari, ma dovreste riuscire a sfruttarli per un po'. Oh. Sempre con te. Ok. Strano. Oh, la côte Égéenne en 48 avant Christophe le Christ. Qui c'est que ce jeu? Proprio come nella battaglia di Salamina, capitano. Sei in trappola. Ora arriva Temistocle e ci divertiamo. Temistocle, c'est des Grecs? Encore. Incroyable d'avoir Temistocle encore en vie. Cazzo! Foxy, da perché dobbiamo consegnare il tesoro? Potremmo ritirarci a Lesbo con tutto quest'oro che abbiamo... Tu che dici, ratto schifoso? Questo scrigno arriverà da Pompeo, affonderemo con lui. Pompei. Attraverseremo anche l'Ade, se servirà. Basta così. Al lavoro, scansafatiche! Damaste, mio fedele amico, dacci dentro, eh? Ci pagano per corrompere Pompeo, salvare una regina e per conquistare un regno. Alla tariffa di noi mercenari.
On va à Pompéi. Où est-ce qu'on va? Più veloci, fratelli! State attenti! Ci sono rocce e detriti! Ci vedo! L'ho vista la scogliera! È il tuo terzo viaggio e già parli come i veri uomini di mare! Mi piace quando ti si fermano gli sputi tra la barba, Foxida! Vediamo bene di non finire in acqua! Un eroe come me non può morire così! Un vero eroe potrebbe nuotare fino a riva! Li vedo! Non sto facendo tutto questo per niente! Stai solo cercando di fare colpo! C'est drôle, la mer, je la trouvais moins agitée dans Origins. Quelli non sono i colori di Roma. Oh. E che guaio ci ha messo quella regina? Navi di Tolomeo. Le ha inviate l'ordine degli antichi, è certo. Che hanno a che fare? On va le buter, Bartolomeo. Le armate di Pompeo daranno a Cleopatra il trono. Vogliono impedire la nascita dell'alleanza. Sbrighiamoci. Tu, 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 tu. Grande Poseidone, l'aria è già diventata irrespirabile. Le acque evaporano vicino al vulcano. Ma moi j'ai un problème avec le porteur de le tambourman. Il est pas du tout dans le tempo des rameurs. Non mi sorprenderebbe se avesse ripreso. State pronti! Capiranno che hanno scelto il faraone sbagliato! On n'y est pas. Bah ouais, mais j'ai pas l'impression qu'on y est. Ah, on est encore un peu loin. Dateci dentro, forza! Ci attacca! Piaggia di fuoco! Alzate gli scudi! Tenetevi! Più veloci! Al fuoco! Dateci dentro, forza! Tenetevi! Aumentare il ritmo! Rispondete al fuoco! Non basta ancora! Pronti al fuoco! Più veloci, fratelli! Fuoco! Fuoco! Ah, mais d'accord! Sono veloci! Ok. Massima velocità! Oh, pides! Più veloci! Pronti al fuoco! Fuoco! Distruggiamo questi stronzi! Mirate dritti alla poppa! Sono carichi di olio! Bruceranno come merda di cammello! Velocità di speronamento! Facciamoli a pezzi! Ah là là! Tenete duro, tenete duro! Pronti al fuoco! Fuoco! Quello era l'ultimo rimasto! E ancora non si vedono quegli infedeli romani! Vieni a bada le offese, capitano. Pompeo è un alleato prezioso. È un buon generale. Non abbiamo fatto tutta questa strada solo per insultarlo. Sono fatto così? Non cambio per re o regine. Ha lasciato moglie e figli per la stessa ragione. I folli sono la mia gente. Io sono folle. Noi siamo folli. Allala! Questi 100 marinai sono la mia nuova famiglia. Abbandonare chi non ci accetta è una strada piena di dolore, ma è l'unica esistente. Dici? Pompeo sarà dove previsto. Oh, punaise. Oh, il gros machin là-bas. J'espère vous l'avez vu, hein. Colpiamo veloci, fratelli. Di più. Più veloci. Le gros machin là-bas, il va faire mal. Je pense que l'idéal serait avant de me friter contre les gros. Pompeo va a nord. Calma! Potrebbero esserci delle pattuglie. Cerchi di tenermi lontano dagli scontri. Per la vita di Adre, certo che no. Ma non mi va di morire. Il y a trois petits derrière. Je vais peut-être me fight d'abord les trois petits, je pense. Dovresti unirti alla nostra ciurma. Perfetto.
Non siamo qui per proteggerlo, ma per corromperlo. Ah bah en fait je vois des... Faut que j'attaque les trois, les petits en fait. Putain, le bordel sur le navire. Oh, au secours. Et... Fuoco! Dannazione, ci hanno preso! Pompeo subisce danni! Dobbiamo fermarli! Colpite quegli schifosi bastardi! Li affonderemo! Oppure affonderemo con loro! Calma mia! Calmo, fratello! Calmo! Non ci ti abbassi, va su! Pronti al fuoco! Ne rimane una! Hai coraggio da vendere! Di certo non sei una gentil donna indifesa! Frena la tua lingua, vecchio. O vedrai che sono più abile con la spada che con le vele. Fuoco! Tenetevi! Non basta ancora! Fuoco! Massima velocità! Rispondete a fuoco! A tutta velocità, ora! Fuoco! Stanno affondando! Così si fa! Bel lavoro! Ora troviamo questo stronzo! Non ho mai incontrato un generale romano prima d'ora! Tranquilla, Aya! Mi comporterò bene! E allora, voilà! Vieni coni. Guerra civile in Egitto e una trirema mercenaria che mi soccorre? E mentre combatto con Cesare, ma che strano. Si può sapere voi chi sareste? Beh, potevamo lasciarti morire. Genre, c'est César en personne? No. Pompeo Magno? Pompeius Magnus. I saluti e gli omaggi della regina Cleopatra. Oh, la tignesse. Cleopatra offre oro per comprare il mio favore ora che ho preso Roma. E questi sarebbero gli omaggi della vostra regina? Che volto vedi sulla moneta? Le donne a Roma ricevono tali onori? Un'alleanza con Cleopatra è un'unione molto potente. Non vuole solo un alleato. Lei cerca un re. Un omaggio molto interessante. Accetto. La mia flotta salperà per l'Egitto. Putain, j'ai cru qu'ils étaient contre moi. Mon dieu. Il a fallu 6 bateaux quand même hein, pour arriver à les calmer le jeu quoi. 6 bateaux, vous imaginez 6 bateaux. C'est délirant. Alors que le contrôleur fonctionne toujours pas. Pour moi, hélas. On va retourner chercher hein, du coup le papyrus, tout simplement. Ah ouais, niveau 28 pour l'embuscade. Ouais, bah pour l'instant, je n'y suis pas. Hein. 28, sérieusement. Il y a un petit papyrus à trouver dans le coin. Je sais pas où il est. Papyrus. En vrai, c'est de la triche. Hein. Trouvé. Cette mine, qui a cette herkeftiu. Alors, mer de sable. Dans le sud-est du nome d'Iment, repose un vaisseau brisé.
Si tu attends jusqu'au matin, une croix marquera ma cachette. Encore cadeau. On va aller voir le forgeron, tiens, vite fait. Tiens. Allez, à tchoum. Benvenuti alle topoli, ultimo sogno. J'aime bien le dernier rêve du défunt machin. Mais c'est quand même lui qui attendait de vous buter quand même. Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui a fait buter les autres d'ailleurs. Cosa ti può servire? De toute façon, si je l'ai mis en niveau 19, ça vaut pas le coup. En vrai. Bon, on va vendre ça parce que. Ah oui, c'est X pour vendre. Ah oui, d'accord. Oui, je pouvais toujours chercher. Lo prendo. J'ai deux boucliers, tiens. Un bouclier d'Antigone. Je sais pas quoi en faire. Bah écoute. Quand j'ai pas l'idée, ça dégage. Ah! Lo prendo. Ah, mais il y a des objets que j'ai par deux. Super, on va vendre enfin des objets. Après, j'ai des trucs par 40-50. Et bien, c'était. Hop là! Et quieto! Wouah! 5000 boules pour un animal! Oh fou! Putain, 5000 balles, j'avais pas pensé moi! On va faire la quête du nouvel arrivant, tiens, parce qu'on est juste à côté, et puis que c'est la mission qu'on va faire, je pense, la dernière de la vidéo. Hein, c'est vraiment plus sympa de faire des vidéos d'une heure quand même. Benvenuto, amico mio, la futura capitale. Je suis pas une femme, je suis un homme, du coup. È vero che ogni giorno vengono scoperti nuovi segreti. Ah! Molte vecchie opere e frammenti del mondo antico ci aspettano. Forse non ogni giorno, ma abbastanza da rimanere a bocca aperta. Ti do il benvenuto! Una nuova vita ti attende qua alle topoli, la città di Horus. Vieni, trova la tua strada, cammina al nostro fianco. Nuveria. On va s'arrêter là, perché sennò domani parlo ancora. Benvenuto! Benvenuto alle topoli. Non dimentico. Je suis passé il y a 2 minutes. Hein. Non l'ho mai vista prima. J'ai buté ton chef. Hai trovata casa tua, un miracolo frutto della fatica. E siamo solo all'inizio. No, non stavo. È solo perché non lo sapevi ancora. Noi diamo ad ogni nuovo arrivato una casa. Deve solo recuperarle e aiutare con i pubblici un nuovo inizio. Sono tre film. Fu giusto che il sabbia. Parla a qualcuno dei nostri nuovi cittadini, come Nehi. Ti saprà dire quanto può essere liberatorio dimenticare il passato. Il mio passato non mi abbandonerà tanto facilmente. Me ne hanno parlato. Una guida ti mostrerà la tua nuova casa. Se lavorerai per recuperarla e collaborerai ai lavori pubblici. Ho l'impressione che avrò una nuova casa. Non so perché. Per gli dèi. Cosa posso fare? Pace, amico mio. Che succede? Gli dèi mi hanno maledetto. Ho perso la fattoria. Mia moglie sta con mio fratello a Yamu e non ho più nulla. Oi. Il carro si è incastrato in un fosso qua vicino. Poi è scesa la notte e ho sentito certi ruggiti. Le ho abbandonate. Le mie povere mucche, tutto quel che mi rimaneva, cosa devo fare? Ruggiti? Non ci sono bestie che ruggiscono qui. Non sono rimasto a controllare. Loro erano l'ultimo dono di mio padre. Che opecchiera. Io le ho abbandonate. Che vergogna. Quando passo di là, do un'occhiata. Per adesso, concentrati sulla tua casa. Grazie mille. La mia casa è a destra dell'ingresso del tempio.
Che le lucenti ali di Horus ti facciano volare. Super, fantastique. Encore une connerie à faire. Allez, maudit canasson là. Allez, Cannabis. Oh, ils vont finir à pied. Oh, je vais les casser tous. Les quatre là. Et. 1, 2, il y en a vraiment marre. Voilà. J'ai si bon, je peux pas les voir les mecs. Hein. Et bah ils sont là au début. Ah oui, d'accord, oui, il y a du people à côté. Hein. Tranquille. Vediamo cosa è successo. C'est quoi ce bordel? Merci, mais je m'en fous. Hein. Ah non! Il m'a buté mon cheval! Sur la tête de mon cheval, je vais te décailler. Je vais te décailler hein. Bon bah du coup on a trouvé le machin. Buon per voi che sia venuto a cercarvi. Altrimenti Nehi sarebbe morto e voi cibo per le uno. Dei lion? Ouais, c'est plutôt des lions perso, mais. Ah, c'est quand même plus RP quand même hein, de voir des animaux qui ont du mal à courir quoi. On va la finir à RP hein, quand même. En vrai, quand vous voyez le côté RP, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, le machin, il va mettre 3 ans à arriver. Hein. Alors qu'en fait, wow. Bah, pas du tout. Pour monter là-dedans. Bayek, hai trovato Keope e Chiara? T'ha trovato Keope e Chiara? Ah, io piango lacrime di gioia. Guarda fin dove sei arrivato mentre ero via. Ho trovato qualcosa di strano in casa. Mi incuriosisce molto, ma anche paura. Guarderesti tu per caso? Vediamo. Mentre lavoravo alla stanza principale, ho trovato queste scritte. Sono molto vecchie. Non so che cosa vogliono dire, ma mi spaventano moltissimo. Sono antiche e incomplete. Impossibile decifrarle. Cancellate dal tempo e dalla sabbia e... Sai, tu crois che cette maison è maudite? Se fosse una maledizione? Chiederò qui in giro. D'accordo. E io che faccio? Non so se mi va di dormire qua. Andrà tutto bene. J'adore cette... Ouais, mais non! Dovresti parlare con Ramessu. Conosce tutti in città e sa tutto quello che succede. Non ho dubbi. C'est quoi, c'est quoi ce bordel, quoi?
Bon, du coup, on va leur parler au mec qui nous a aidé au début. Oh! Ah! Tu connais ça? J'adore le bruit. Ah! Benvenuto, amico mio, la futura capitana. Tu l'ouvres encore, conosco quell'espressione. Sei venuto per la tua casa? No, io. Tu ti faresti una casa in un attimo. Basta. Ero a casa di Ney, mi ha mostrato alcune scritte. Non c'è da preoccuparsi, amico mio. Altri tre hanno detto la stessa cosa, ma sono scritte incomprensibili ormai. Vedrò di verificare. Stai perdendo tempo, ma fa come vuoi. J'ai envie de lui latter les fesses. Ti do il servizio. Una nuova vita ti attende qua alle topoli, la città di Ovus. Una guida ti mostrerà la tua nuova casa, se lavorerai per recuperarla e collaborerai. Sei nuovo da queste parti? Sono di passaggio, ma indago su un mistero. Hai trovato dei geroglifici nella tua casa? Come tutti, no? Non mi preoccupano. Perché? Cosa vogliono dire? Non lo so ancora. Posso vederli? Ma certo. Fammi sapere che ne pensi. Hai possession gereh. Oh là là là. Un'altra parte del messaggio. Pourquoi ai-je la désagréable sensation qu'en fait cette baraque est un vrai merdier, que cette ville est un vrai charnier? Y'a quoi à côté de toute façon? Y'a rien à côté. À part le temple? Le temple de Rus. Ouais, c'est un problème. En soi, c'est un problème. Posso farti una domanda? Sì, quale? Nehi ha trovato dei simboli a casa sua, come te. Posso vederli? Certamente. È nuovo, vero? Non sarebbe male se solo non piagnucolasse sempre. Digli che ho chiesto di lui. Mi chiamo Nebefer. 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 Non che porsi è cucci dehors, c'est Nebefer. Tagliate. Il messaggio continua. J'ai l'impression que c'est un lieu d'inhumation, mais je sais pas pourquoi. J'espère me tromper. Vu qu'il y avait un temple à côté, que ça fait des millénaires que c'est là. Sì, posso esserti d'aiuto? Ramesso dice che hai trovato dei geroglifici in casa. Sì, mi sono sembrati un po' strani. E credo che li abbia trovati anche qualcun altro. Posso vederli? Certo! Dai pure un'occhiata! Dai, vas-y! Rentre dans la maison! Ils sont là-haut! Non, ce qui est chiant, toutes les maisons sont identiques. Tout est pareil. Forse è una parte di un unico messaggio. Questo è tutto il messaggio. Sembra una visione profetica. Message prophétique. Les pieds fermement plantés à l'Étopolis regardent à l'ouest vers les pyramides. Dans les dunes repose le temple d'un million d'années, gardé par les lionnes de pierre. Dov'è questo tempio? C'est beau. C'est beau comme truc, quand même. Et faut que j'aille où? Vers l'ouest? Quoi? Ah, l'Étopolis, c'est là? Chez moi? Donc le machin dit un million d'années. Attends, vers l'ouest. Regarde vers l'ouest, le temple machin, pour moi il est là-haut. Corre,
Bon, moi je vois que ça, hein. Je vois que là où il peut être. Hein. Benvenuti! Benvenuti all'Etopoli! Ultimo sogno del grande. Par contre, un temple d'un million d'années. Je suis pas tête quand même, hein, un million d'années. Wow! Farti fuori sarà un atto di generosità. Oh là là, te la faccio pagare cara. Wow. Pour moi, c'est là. Wow. Je vois que là, en fait, tout ça peut être. Che cosa stavano cercando di fare i sacerdoti alla loro ultima cerimonia? Quegli uomini erano giovani sacerdoti. Sono stati uccisi o hanno scelto un simile destino? In tout cas, le temple est assez étrange, quand même. È un antico preparato, essiccato da un pezzo. La signora della strage. Un luogo dedicato a Sekhmet, quindi. Credevo che l'Etopoli fosse la casa di Horus. Ah oui, c'est vrai que les temples de Sekhmet n'étaient pas très bien vus, quand même. Una preghiera. Oh, dame des flammes à la tête de Lyon, fille de Ré, reine des deux royaumes, maîtresse de la maison de la balance, maître d'Apep et Amout, elle qui mutile, nous t'invoquons par tous tes noms et tous tes lieux et t'offrons cette ville en cadeau. Souffle le désert sur elle et prends-la, enfouis-la. Et en retour, n'emploie pas tes redoutables pouvoirs contre les pharaons et le reste de l'Égitte. L'Etopoli è stata sacrificata dagli antichi agli dei, così da garantire agli uomini il controllo sul resto del Nilo. I sacerdoti hanno chiesto protezione a colei davanti a cui perfino il male trema. Bevendo questo preparato, hanno dato la vita così come la loro città a Sekhmet. Se solo vedessero, cosa sta facendo ora Taharka? En vrai, c'est logique, hein. C'est beau. Hein. C'est beau comme ça. Il y a des serpents et tout. Non, mais c'est pour ça que c'est la cata. Il y avait des serpents de Théo. Alors qu'il y en a qui gît comme ça, là, au sol. Comme des moins que rien. Wow! Allez, on va y dire un Nénix, c'est bon, c'est terminé, plus de problème. Et puis ça sera la fin de la vidéo. Wow. Voilà, tout simplement. Ah, Bayek. Ormai mi sono abituato alla presenza dei simboli. Ho anche invitato Nebefer a pranzo. Ma hai scoperto qualche cosa? Sì, ma non sono sicuro che ti piacerà. Una maledizione! No. Lo sapevo! No, non proprio. L'Etopoli è stata data in offerta a Sekhmet per proteggere il resto del Nilo.
Abbiamo offeso la signora della strage. È lei a mandarci le tempeste di sabbia. Rivuole la sua città. Ma le autorità sono pazze o solo cieche? Non posso rimanere qui. Nebefer potrebbe venire con me. E tu, Mejai? Io qui sono solo di passaggio. Sei stato gentile con me, al contrario degli altri. Forse avremo modo di incontrarci di nuovo, prima o poi. Peut-être. Peut-être. Imhotep. Eh bien. Qu'est-ce qu'elle... J'adore ces PNJ. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, il y a une paire de Nibor en plus. Eni, c'est sérieux. On dirait qu'elle passe le balai. C'est chelou, mais ok. Comme lui. Voilà. On manque juste des 2-3 objets quand même. Du coup, on a quasiment fini là. On va juste aller voir le petit marchand vite fait. Tiens, qu'est-ce qu'il nous propose de beau? Allez, quand même. Partons sur une petite note sympa alors qu'on a les deux chevaux là-bas. Les deux. Cavalieri qui font n'importe quoi. On va se demander s'ils sont pas beaux et... C'est pas... Allez, qu'est-ce qu'on peut acheter? La fourrure. Oh. Tenue des contrées nordiques. Ouais, bah, ça vaut pas le coup. Guerrier Maasai, c'est les tribus traditionnelles des guerriers Maasai. Donc, Maasai, c'est tous ceux qui vivent en Afrique subsaharienne. Pour ceux qui les demandent à peu près. Super tribu. Des Edge égyptiens, voilà, maraudeurs de la savane, ok, et tenue gracieuse. Je suis pas fan de la tenue gracieuse quand même. Et après, on peut acheter de la fourrure, des cuirs, etc. Ok, je peux vendre des trucs. Non, y'a rien qui t'intéresse. Si, ça, allez, hop là, ça, je te l'ai vendu. Et bien voilà. Voilà pour cet épisode, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu quand même, parce que moi, honnêtement, je redécouvre le jeu. Et j'aime bien ce que je vois. Voilà, c'était le skill, et puis au prochain numéro, ciao.